Bonjour et bienvenue à Yvelot TV. Donc aujourd'hui, on change un petit peu de programme, n'est-ce pas ? Tout à fait, et on vous emmène dans un atelier de tournage sur bois. Donc c'est une découverte qu'on vous propose aujourd'hui sur Yvelot TV. Alors c'est parti ! On y va ! Voilà, donc on va présenter Pascal aujourd'hui, le maître des lieux. Hein, donc on est dans son atelier aujourd'hui et on va lui poser quelques questions sur depuis quand il fait ce métier. Tourneur sur bois. Voilà, tourneur sur bois, voilà. Et depuis quand et puis comment c'est venu? Ben voilà, moi je tourne depuis une quinzaine d'années. Hein, c'est histoire de me changer les idées. Et puis là, depuis quelques années, je fais ça beaucoup pour me faire plaisir. Et puis voilà quoi, c'est un changement de mes pieds, un changement de voie professionnelle. En fait. D'accord, tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Non, non, depuis une quinzaine d'années, je me suis mis comme hobby tourneur quoi, pour m'amuser. Ouais. Et puis ça a évolué quoi, j'ai fait des stages, des formations et voilà, okay. Je tourne un peu de tout. D'accord, et au niveau bois, c'est un peu tout bois. Tous les bois possibles. Alors, il y en a qui sont plus ou moins simples, plus ou moins faciles à tourner. Mais en fait, on arrive à tout tourner parce que je trouve que tous les arbres ont le droit à une chance. Et donc, c'est pas, je jette pas, je prends tout. On m'amène de toutes sortes de bois et je tourne. D'accord. Je tourne toutes sortes de bois. Les gens viennent avec leur bois aussi. Ouais, l'arbre qu'ils ont coupé pour avoir des souvenirs. Etc. On peut tout faire quoi. Ils veulent des plats, des urnes. Ouais, des petits, je vois le petit verre à pied là, qui est sympa. Des bols, il y a vraiment tout quoi. Ah ouais, les saladiers. On peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses donc en tournage sur bois quoi. Des petites comme des grosses sur l'autre machine là qu'on voit. Hein. Ouais, là on voit un gros morceau. Ça c'est pour un saladier, c'est ouais, pour. Ouais, là je vais en faire plusieurs parce que je vais pouvoir couper. Avec un outil spécial, je vais pouvoir couper plusieurs pièces à l'intérieur, une fois que je l'aurai retourné, par contre. D'accord, ok. Hein, ça donne ça, tiens, si tu veux, tu vois. C'est... Ce qui permet de récupérer, plutôt que de faire que des copeaux, de faire plusieurs pièces. Voilà. On peut faire plusieurs dedans. Mm-hmm. Quelles sont les demandes par rapport à les plus courantes en général des gens qui viennent? Alors ici, les gens qui viennent, ils achètent souvent à coup de cœur. Il y a des gens qui commandent des pièces. Les commandes, c'est plutôt des pièces saladiers, des couverts, des bols. Bon, des toupies, je fais parfois des toupies, des séries de toupies pour des mariages ou des trucs comme ça. Mais en général, c'est... Des grosses pièces et les pièces qui sont ici, les gens achètent surtout sur coup de cœur, quoi. D'accord. Ils rentrent, ils voient quelque chose et oups, ils d'accord, achètent. Vraiment, les commandes, c'est surtout de l'utilité. Ou alors, je fais souvent des tabourets aussi. Ça, les gens commandent. Hein. J'en ai pas là en ce moment. Ouais, des petits meubles, du coup. Ouais, des tabourets, c'est des troncs tournés, quoi. Hein. D'accord. Des grosses pièces. Enfin, on peut vraiment tout faire. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Ouais. Moi, je suis pas trop tourneur-sculpteur. Hein. La tendance en France, c'est beaucoup tourneur-sculpteur. Moi, je suis plutôt. J'aime bien faire les grosses pièces, quoi. D'accord. Ouais. Comme sur les. Mais petites aussi, parce que les toupies, c'est pas forcément gros, quoi. Ouais. J'aime bien les grosses pièces. Ok, et puis les gens, ils viennent sur place. Ils viennent sur place. En général, ils viennent sur place d'un peu partout, du coup. Je sors de temps en temps sur quelques marchés ou expositions, mais pas trop en fait. D'accord, hein. les gens viennent plutôt ici. À l'atelier, quoi. Mmh. Ok, bah super, un bel atelier en tout cas, en plus. Ouais, merci. Ah, c'est j'essaie de faire ça, sympa, quoi. Ouais, traditionnel. Que les gens s'y sentent bien aussi, quoi. Carrément, ouais. On le sent, dès qu'on arrive en plus, tu vois, en arrivant tout de suite, on s'y sent bien. Et du coup, on regardait le parquet, c'est des morceaux de bois en fait. C'est des pavés de bois, ah ouais, c'est voilà, on va pouvoir... Dans les fonderies, il y a toujours des sols en bois.
À Bruxelles, il y a encore des rues pavées en bois. À Paris, il y a des cours d'hôtels particuliers. Ah ouais. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Mais on y revient maintenant dans les ateliers de mécanique générale. Parce que tu imagines une pièce qui est érodée, qui coûte des milliers d'euros, qui tombe sur le béton. Là, au moins, c'est costaud. Ouais, puis en dessous, j'ai de l'OSB, j'ai du 5 cm de liège, il y a une chape de chaud, etc. Et donc, ils sont les dalles, c'est quelle épaisseur? C'est épais, hein, comme 53 mm. Voilà. Bon. Ah oui. Pour se rendre compte. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ah oui, ok. 6000, à peu près 6000. Ouais. Ah vache, oui, carrément. Ah, c'est impressionnant. C'est chouette comme. C'est original comme parquet. Ouais, c'est la première fois que je voyais, tu vois. Comme parquet, c'est original, ouais. Ah, tout de suite, on voit ça d'ailleurs, presque tout de suite en entrant finalement. Ouais, hein, ouais, c'est vrai que. Et ça contribue, c'est vrai qu'à cette atmosphère chaude dans le bois, comme ça, c'est ce qu'on disait, quoi. Ouais, c'est vivant, c'est vraiment. Eh bien, très bien, merci Pascal pour cette visite. Et plein de bonnes choses pour la suite. Très bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir voir Pascal dans son atelier. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Et puis, sur les marchés de temps en temps aussi. Et ouais. Voilà. Et pour l'impossible, je demande 24 heures. Voilà. Ça va, c'est correct. C'est correct. Eh bien, merci à tous. Et puis, à bientôt alors. À bientôt. Yvelot TV. Bientôt sur Yvelot TV.